Alors là, j'ai fait de la barbotine. Donc c'est un volume de chaux pour deux volumes de sable. Et la consistance doit être beaucoup plus liquide. Donc c'est normal. Et ça va vraiment me servir pour faire la couche d'accroche sur les zones où il y aura du chaux chanvre. Donc là où notamment j'ai fait la cage d'escalier. C'est un peu mieux. La dernière fois j'avais fini avec du mortier, mais sinon c'est plutôt de la barbotine. Alors la barbotine, elle décante très rapidement. Donc si vous en faites, toujours bien mélanger pour faire remonter le sable. Bon alors ce mur, contrairement à celui que j'ai fait avant, il va être en pierre apparente parce qu'il est au sud. Donc je vais juste venir maçonner et mettre un lit de mortier sous la panne sablière là, celle qui retient les chevrons, parce que là il y a plein de dépôts de copeaux. Bon, on voit que c'était un nid pour des petits animaux, donc éviter qu'ils viennent s'incruster.
Alors, le cadre est fait. Donc, comment j'ai procédé? J'ai d'abord installé les deux fourrures du haut et du bas. Pour les installer, c'est important de respecter. Alors là, il y a une sorte d'encoche dans l'anguette dans laquelle va venir s'enfoncer la future plaque de fermacelle. Et donc, il faut qu'elle soit parallèle à la fourrure du bas sans que ça vienne rentrer là-dedans. Donc pour ça, j'ai mesuré, après j'ai fait les niveaux. Et en fait, quand on vient s'aligner, on voit que c'est parfaitement, désolé si ça bouge, mais c'est parfaitement aligné. Alors j'ai dû m'y reprendre. Et je vais également m'y reprendre sur la... Alors là, on verra pas très bien, mais là, c'est pas parfaitement droit. Donc là, c'est plus serré qu'à droite. Donc je vais rabaisser ce coin-là. On installe ensuite ce qu'on appelle des lisses. Donc c'est un profil est plus étroit et le métal est plus fin également, j'ai l'impression. Ce qui est plus facile à découper. Et du coup, on le coupe aux bonnes dimensions en faisant un petit... Moi, j'ai fait une petite languette qui va venir du coup... Alors, j'essaie de filmer avec... en même temps, mais c'est pas forcément facile. Qui va venir se mettre ici et avec une vis, on va venir la plaquer. Donc il y aura une future épaisseur, mais rien d'insurmontable. Et ensuite, du coup, la lisse s'enfonce dans la fourrure et du coup dans les fourrures. Et ensuite, ça nous fait un beau cadre. Beaucoup plus facile que ce que je pensais. C'était chiant là. Hein. Quand je ferai le chauchant dans cette pièce, je vais essayer de garder ce linteau de fenêtre qui est assez marrant. Il est découpé, il y a des pierres qui viennent s'incruster dedans. Donc là, il va falloir que je le nettoie un peu avec du vinaigre. Là, ça va être la problématique parce que j'ai pas moyen d'accrocher une fourrure là à cause de cette petite panne qui est vraiment pile poil dans l'axe où sera la future plaque. Donc, il faut que je réfléchisse à une sorte d'assemblage. Bon, c'est aligné. Je vais sans doute créer des renforts à droite, à gauche, parce que ça tout seul,
c'est pas ouf.